Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Mon frère, ma sœur, je te salue dans le puissant et glorieux nom de notre excellent potier, le Seigneur Jésus. C'est un plaisir, c'est une joie et c'est surtout un privilège pour moi de prier avec toi ce matin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous allons prier avec ce texte qui est dans l'acclamation de ce jour, tiré de 2 Chroniques 7, verset 16, qui dit, je cite, « J'ai choisi et consacré cette maison, dit le Seigneur, afin que mon nom y soit à jamais. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cette maison qui a été choisie et consacrée par le Seigneur, je veux t'annoncer une bonne nouvelle, mon frère, ma sœur. Cette maison, c'est toi. Cette maison, c'est moi. Cette maison, c'est nous. Car il nous dit aujourd'hui encore que notre corps est le temple de son esprit. Donc Dieu habite en nous. Alors aujourd'hui, nous allons entrer dans cette attitude de reconnaissance, dire merci au Seigneur. Parce que cette parole encore nous dit que, afin que mon nom y soit à jamais. Je ne sais pas pour toi, mais moi je suis dans la joie, car j'ai l'assurance que je porte le nom du Seigneur. J'ai le nom du Seigneur, c'est une grâce, un privilège. Tu as le nom du Seigneur et il a dit à jamais. Il n'a pas dit juste au moment où tu obéis à mes commandements, juste au moment où tu es propre entre guillemets, il a dit à jamais. Je veux te dire aujourd'hui que tu portes le nom de Dieu. Dieu a inscrit son nom en toi. Et il est en toi. Aujourd'hui, nous voulons témoigner cette reconnaissance simplement. Alléluia. Oh, comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes de reconnaissance qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oh oui, Seigneur, devant toi je m'humilie. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, et moi je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais
chez toi tous mes jours ici bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Et je veux dire aujourd'hui, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. En tant que ta maison, Seigneur, je veux que tu me construises tel que tu veux. Je veux que tu mettes le nombre de briques qui te plaît. Je veux que tu mettes, Seigneur, la couleur de peinture qui te plaît. Que cette peinture soit blanche, qu'elle soit grise, qu'elle soit rose, peu importe la couleur, Seigneur, je veux que tu fasses de moi ce que tu veux. En tant que temple, Seigneur, je veux que tu me façonnes, je veux que tu me construises. Mais surtout, Seigneur, je veux que tu demeures la pierre d'angle. Je veux que tu demeures cette fondation, ô Jésus. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Seigneur, fais toutes choses en ton temps, et moi, je serai toujours confiante. Seigneur, observe mes voies, garde-moi au pied de ta croix. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une moi ce que tu voudras. Devant toi je me prosterne, fais de moi ce que tu voudras. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia. Merci Seigneur, merci de ce que tu nous accueilles, merci de ce que tu es en nous, que tu nous façonnes, tu nous construis, et que nous soyons toujours des maisons en accord avec ta volonté, avec ce que tu veux et ce que tu attends de nous. Que ton nom soit béni, Seigneur. Je te souhaite de passer une excellente journée, bien-aimé, dans le Seigneur. Et que Dieu te bénisse abondamment. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.